Avec la Dream Culture TV. Alors nous sommes aujourd'hui au parc Jean Drapeau pour le festival Plein Air et Voyage. Vous pourrez retrouver de nombreuses activités, de nombreux stands pour préparer vos vacances et l'été qui arrive. Allez-y, suivez-moi. Nous sommes à l'atelier gastronomie et nutrition en plein air avec François qui est en train de nous concocter un bon petit plat dont nous parlerons juste après. Avec de la viande crue, est-ce qu'on pourrait placer par exemple un asperge fraîche et la manger, faire un sandwich directement sur notre plan de travail? Tu veux répondre? Non. Excellent. Nous sommes maintenant avec François Paré, chef cuisinier au traiteur Les Sentiers Gastronomie. Alors, monsieur Paré, qu'est-ce que vous nous avez cuisiné? Là, on a cuisiné des petits satés de bœuf qui sont prêts. D'ailleurs, on va les tasser parce que là, la grille est un peu chaude. Donc, c'est le saté, c'est tout simplement un petit morceau de bœuf qui a été mariné dans une marinade et qui a du lait de coco, de la pâte de carie, de l'huile végétale, sel, poivre, un jus de lime. Donc, c'est la marinade bien importante pour relever, si vous voulez, le goût de la viande. Et on fait tout simplement goûter les quadrillés sur le grill et le manger. Je ne sais pas si vous en voulez une petite. C'est très chaud, par exemple, faites attention. Donc, aussi simple, on peut faire des choses comme ça l'été sans problème. D'accord. Et avec quel vin associez-vous ce plat? C'est sûr que ma force, c'est la cuisine. Les vins, honnêtement, il faudrait peut-être demander un sommelier parce que là, c'est assez complexe parce qu'il y a du lait de coco, donc il y a même du sirop d'érable dans la marinade. Donc, il y a un petit côté sucré, un petit côté très épicé. Peut-être, je dirais, un pinot gris, ça pourrait être intéressant. Mais j'aimerais mieux, si j'avais un sommelier, je pense qu'on serait peut-être mieux. Et sinon, n'oubliez pas le vin de la semaine, Valbuena. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez pris un grand bol d'air avec nous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.